Halo SF. Coucou. Ça va? Tranquille? Bon bah ça fait plaisir, j'espère que vous êtes prêts pour Noël. Si vous voulez un petit cadeau de Noël en avance, on est là pour ça, on vous donne, avant cette fin d'année, histoire de finir l'année correctement, comme on l'avait dit, comme avec le live, un flash halo avec quelques news sur la série télé qui va arriver, qui, alors de mémoire, étant en tout cas prévue pour la première saison en une dizaine d'épisodes, si tant est qu'il y ait d'autres saisons. Et là, cette fois-ci, la news qu'on a eue, c'était des images en fait, donc une news visuelle. On a eu quelques images des débuts de tournage, alors pas début, des débuts de reprise de tournage. Il y avait eu un tournage qui avait commencé début d'année, après courant de l'année, il y a eu quelques complications, comme vous pouvez le savoir. Et là, ils sont retournés à Budapest récemment pour reprendre les tournages, et donc on peut avoir quelques images comme vous voyez à l'écran. Donc à la fois, on a eu des images de BR, on a eu des images de caisses d'armes en gros, UNSC. Et après, les prochaines images sont encore un peu plus intéressantes, puisqu'on a eu non seulement un tout petit bout de ce que doit certainement être une... je pense pas que ce soit vraiment un genre de déguisement, mais en tout cas c'est la main, ce qui semblerait être la main d'un élite, j'ai l'impression, en tout cas c'est l'idée que j'en ai, mais qu'elle a hyper bien faite, en tout cas assez réaliste. Et notre Cortana, alors notre, non, leur Cortana pour le coup, parce que c'est la Cortana américaine qui s'appelle Jen Taylor, qui donc est la voix, donc comme je disais, américaine originale du coup de Cortana, qui était présente à Budapest pour le tournage. Certainement pour, bah, on imagine, pour prêter sa voix. Et donc voilà, pour l'instant, c'est les quelques images qu'on a sur le tournage qui a repris. Et ils nous ont indiqué dans le message, le communiqué qu'ils ont fait, donc je parle bien des créateurs de la série, qu'il y aura forcément beaucoup plus de news en 2021 sur la série. Mais donc voilà, elle est quand même en repartie en production. Et on aura plus de news prochainement, mais au moins on finit l'année avec une petite croquette là-dessus. Ça fait toujours plaisir, quelques images. Sachant que voilà, comme je le disais, là, que ce soit la main ou les BR, ça a l'air d'être quand même assez bien fait. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu pour ce petit flash halo qui croque sous la dent. Et on se dit à fort bientôt, peut-être à l'année prochaine pour le prochain flash halo. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, vous connaissez la chanson. Et à ciao, bambino. A plus.